Claudia Tagbo, née le 14 juin 1973 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est une actrice et humoriste ivoiro-française. Claudia Tagbo est née à Abidjan en Côte d'Ivoire en 1973 et arrive à l'âge de 13 ans à Chanac, en Lozère, où elle vit 2 ans avant de partir à Alès dans le Gard jusqu'à ses 18 ans. Elle se découvre dès son plus jeune âge une passion pour l'art en général et pour le théâtre en particulier. Après l'obtention d'un brevet d'études professionnelles, BEP, et d'un baccalauréat professionnel en comptabilité, au sein du lycée Jean-Baptiste Dumas d'Alès, elle échoue pour entrer au Conservatoire de Montpellier. Elle monte à Paris afin d'y suivre des études en art du spectacle où elle décroche une maîtrise art du spectacle, option théâtre à Université Paris 8. Elle décide de s'investir dans le métier qu'elle a choisi, comédienne. Sur les plateaux et devant la caméra, elle travaille, entre autres, avec Stanislas Nordet, Elisabeth Rappeneau, Julien Leclerc, Olivier Dahan. Elle se lance avec succès dans le stand-up. Au théâtre, elle joue dans Appel à poètes de Paul Éluard, l'opérette imaginaire de Valère Novarina, 13 décembre, Ligne 9 de Mata Gabin, Lucrèce Borgia de Victor Hugo et également dans Marisol de José Rivera en 2002. Le public l'a aussi vu dans Demandez-nous pardon de Mata Gabin, mis en scène par Claudia Tagbo et Candide de Victor Bianco. Au cinéma, elle joue dans Mama Aloco et La valse des gros derrière de Jean Audoutan et dans Ma vie n'est pas une comédie romantique de Marc Guibara et Chrysalis de Julien Leclerc. À la télévision, les téléspectateurs la voient dans Fatou la Malienne et Fatou, L'espoir de Daniel Vigne, Ma meilleure amie d'Elisabeth Rappeneau ou encore Le tuteur d'Edouard Molinaro. Elle interprète également le personnage récurrent du lieutenant Martin Forrest dans RIS Police Scientifique. En 2006, elle commence sa carrière d'humoriste dans le Jamel Comedy Club créé par Jamel Debbouze. En 2008, elle joue dans la mini-série Tong et Pareo ainsi que dans la série Toi-même tu sais de JG Biggs, écrite par Stéphane Pocrin pour Lynn. À l'automne 2010, elle est chroniqueuse pendant quelques émissions dans le bureau des plaintes de Jean-Luc Lemoine sur France 2. Depuis novembre 2010, elle fait partie de l'équipe d'animateurs aux côtés d'Arthur dans l'émission Ce soir avec Arthur sur Comédie. De novembre 2010 à juillet 2012, puis sur TF1 depuis mai 2013. Depuis 2011, elle apparaît dans la série humoristique United Colors of Jean-Luc diffusée sur Comédie. Aux côtés notamment d'Amel Chabi et Vincent Dossagna. Le co-auteur de cette série n'est autre que son acolyte du Jamel Comedy Club, Fabrice Eboué. Elle est candidate de l'émission On ne demande qu'à en rire entre le 27 avril 2011 et le 28 juin de la même année. Depuis décembre 2011, elle participe à l'émission Vendredi, Tout est permis avec Arthur diffusée sur TF1 et est l'invitée la plus fréquente. En 2013, elle anime Claudia Tagbo et Co, un gala de l'humour diffusé en télévision. Organisé au profit de l'association C'est que du bonheur, il se déroule au Théâtre des Folies Bergères et présente une quinzaine d'humoristes. Puis, elle est choisie par CanalSat et Mélodie pour présenter Disco Party Archives, avec Thierry Cadet et Patangeli, à l'occasion des 40 ans du disco. Une chaîne éphémère durant les fêtes de fin d'année. En 2014, dans À nous deux sur France O, elle rappelle que son expérience a commencé avant l'humour. Elle évoque également son cancer. En septembre 2014, elle participe au single inédit Kiss and Love au profit du SIDAction.